Depuis qu'elles ont envahi la vitre, c'est comme un paysage romantique, miniature. Si on incline un peu la tête, celle-là, on dirait un masque, un steak tout anguleux. Celle-là, un lac, un petit lac suisse. Celle-là, un nuage d'été, c'est comme dans l'avion, tu regardes par le hublot et t'as un océan de petites îles, de verdure comme ça. Tiens, regarde, si tu donnes ton doigt, voilà, si tu touches. Attends. C'est comme une gigantesque forêt vierge pour tous les acariens de ton corps. C'est un comportement de pierre qui est très humide et comme jour pas trop pour économiser la chaleur. Mais c'est fou qu'elles arrivent à vivre comme ça sur une vitre avec juste un peu d'eau, ouais. Et chauffage. Ouais. J'ai regardé sur le net, c'est la même famille que les truffes. Ça s'appelle les ascomycètes. Ça ressemble un peu aux photos de cellules que tu voyais en SVT. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est bien chez Pierre. Il me plaît bien cet appart. Ouais, mais j'aime bien le porter, surtout le dimanche. Tu travailles beaucoup en ce moment? Tu me dis ça à cause des moisissures? Non, non, non. Comme ça. En ce moment, c'est des notices d'antifongiques vaginaux. Donc. Heureusement, il y a la partie effet indésirable qui m'a rentré à traduire. Mais... Bon, t'as bien fait de m'appeler. C'est Pierre qui m'a donné ton numéro. C'est Clim quand t'as vieilli, ça. Mais je dors à côté, donc ça me dérangeait pas trop. Bon, c'est mieux que ça soit réglé. Quoi. J'avais peur d'avoir cassé un truc. Merci. Pas de soucis, c'est gratuit. Tu bosses avec Pierre, c'est ça? Ouais, on était ensemble à Nizza. Je réparais déjà ces meubles, ces tables de cuisson du Crous. Bon, je te montre comment faut faire pour plus que t'aies ce genre de problème. Ok. Alors, regarde. Là, c'est le machin. Bon, alors tu le places comme ça. Bon, là ça se lance, y a pas de problème. Par contre, c'est quand tu veux couper qu'il faut faire gaffe, parce que sinon, ça se bloque et du coup, ça casse. Alors, tu pousses le machin. Comme ça, et là, c'est éteint. Ok, mais je vais faire ça. Ouais, parce que il faudrait pas laisser traîner ce genre de choses, hein. Ça se sent, une pièce qui respire pas, et alors après... Et regarde, tu vois, je sais pas ce que c'est, mais il y a déjà des taches. Oui, tu as vu, c'est des petites moisissures. Ça peut survivre jusqu'à moins 5 degrés, c'est fou, hein. Je crois qu'il y a du white spirit sous l'évier dans la cuisine. Et du coup, tu te dis pas, c'est dégueu, je vais les virer. Je savais que t'aurais quelque chose à dire. J'étais presque triste que tu te retiennes, tu vois. Ah non, mais c'est bien, hein. Il y a un côté... j'interroge la nature. Le pourri. Le pas pourri. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui part? Il faut sortir, François. Hein. Oh, mépris.
Ça t'émeut pas la lutte à la survie de ces courageux champignons, tout ce qu'ils ont dû braver, combattre à la force du poignet, je sais pas moi. Moi ils ont dû produire, reproduire leur petit mycélium, tout fragile, ramifier, le pousser le plus loin possible pour qu'ils, je sais pas, ils trouvent l'âme sœur, tu vois, 2 cm plus loin. Arrête, tu m'excites. Tu comprends rien à ce qui est beau, mec, je sais pas quoi te dire. Oui, alors que toi c'est des choses qui te pénètrent vachement. Hein. J'en connais bien qui font du ping-pong en club. Ok. C'est un passe-temps. Voilà. Ok. C'est bon, t'as fini ? Oui. T'as ton maillot de bain, ton bonnet ? Yep. Et ça ira d'aller dehors ? Enfin, tout ce qui est franchir la porte, descendre les escaliers, respirer de l'air frais. Il est déjà 16h. Oh, faut qu'on y aille. Bon, je passe aux toilettes et on y va. Fais chier, quoi. J'ai du boulot. Vous ne sentez pas l'odeur de la peste, l'odeur du champignon? C'est au Moyen-Âge qu'on a attribué au diable l'odeur du soufre. Et cette odeur, c'est celle du corps qui se décompose, qui moisit. Vous pouvez rien. Il suffit qu'une seule de ces espèces résiste à une température aux alentours de 37 à 40 degrés pour qu'elle ait déjà commencé à germer dans vos poumons, à tendre ses filaments dans les parois spongieuses de vos voies respiratoires. C'est comme cela. Elles ont besoin de la vie pour vivre. Elles sont elles-mêmes un bouillon incessant de vie. L'être humain aime souvent à se comparer, mais il n'est capable que de se parasiter lui-même. Bon, mais j'ai encore les WC à faire. Depuis quelques jours, c'est comme si elles agonisaient. Ça les sèche complètement, regarde. C'est peut-être périodique. Ben, j'ai beau humidifier tout mon possible, mais rien à faire, ça va pas reprendre. Ben, je sais pas, il y a peut-être un truc que t'as pas bien fait. Ben, je sais bien, mais quoi? Que c'est l'air, que j'aurais quand même dû ouvrir la fenêtre. C'est important que ça respire. Alors c'est comme ça, c'est juste fini. Tu crois? Peut-être que t'as raison. Ça fait chier quand même. Das Heil erinnert wohl auch so rein.